pistoles en direct de la Maison Blanche à Washington. Les résultats sont tombés après plusieurs jours d'attente. Joe Biden est élu, ce qui est important pour les États-Unis, car Kamala Harris est la première femme à accéder au poste de vice-présidente. Joe Biden a 77 ans. Il a été sénateur pendant de nombreuses années, mais il est connu surtout pour avoir été le vice-président de Barack Obama. Les élections ont réuni énormément d'électeurs. Ce sont des élections historiques. Donald Trump n'aura pas réussi à convaincre la majorité. On connaît son tempérament excessif. Il entame déjà des procédures judiciaires. On n'a pas fini d'en entendre parler. Rappelons que pour être élu président aux États-Unis, il faut avoir plus de 270 votes des grands électeurs.